ont été la sensation de la Coupe des Nations à La Baule. Après 2 ans d'absence, Nick Skelton et Big Star ont signé un retour fracassant sur un terrain 5 étoiles. Mais que c'est beau le parcours de Nick Skelton et Big Star. Nick Skelton, Big Star, deux revenants que le sport n'a pas épargnés. Pourtant réservé, le Britannique a bien voulu revenir sur ce retour au lendemain de la Coupe des Nations. Nick, tout le monde doit vous demander des nouvelles de votre cheval. Vous, comment allez-vous ? Je vais bien. J'ai eu un accident, c'était en 2000. Je me suis cassé le cou. Ensuite, j'ai eu une nouvelle hanche, ensuite l'épaule, puis enfin, j'ai beaucoup souffert de mon dos. Maintenant, ça va, je suis de nouveau en forme. Votre dos vous fait toujours souffrir ? Non, maintenant, ça va. Pendant les JO de Londres, et juste après, il y a 2 ans, ça n'allait vraiment pas. J'ai beaucoup travaillé dessus, donc maintenant ça va. Et vous avez toujours eu le moral ? Oui, vous savez, c'est une obligation. Lorsque vous êtes blessé, vous devez essayer de passer au-dessus et aller de l'avant. Votre dernière Coupe des Nations, c'était en 2013. Ça vous fait quoi aujourd'hui d'être de retour ? Lorsque vous montez Big Star, vous n'avez pas trop d'inquiétude à avoir. Il est bon. Nous sommes en harmonie. C'est donc facile de revenir lorsque vous avez un cheval comme lui. Donc en tout, Big Star s'est blessé 2 fois. Vous, vous avez toujours cru en son retour ? Oui, j'ai toujours pensé qu'il reviendrait. Je savais que ça allait prendre du temps et ça en a pris, environ 2 ans. Vous avez toujours eu la foi ? Oui, j'ai toujours eu la foi. Il est toujours jeune, il a 13 ans aujourd'hui, ce n'est pas un vieux cheval. Nous lui avons fait faire beaucoup de marches pour travailler ses membres. Beaucoup de petits exercices assez tranquilles. De la remise en forme. C'est un étalon, le travail a donc dû être un peu différent ? Oui, mais lui a un très bon tempérament. Vous pouvez le voir là. Il est très calme. Il n'a pas le caractère des étalons. Est-ce que ces 2 ans sans lui ont été difficiles pour vous ? Oui, cela a été très difficile. Je n'ai plus beaucoup de chevaux maintenant. Avec les blessures que nous avons subies, mon âge, j'ai vraiment essayé de le remettre sur pied. J'ai attendu son retour. Mais j'ai quand même monté d'autres chevaux pour garder la forme. Votre rêve aujourd'hui, c'est de décrocher une médaille ? Oui, si nous allons à Rio et que tout se passe bien, une médaille, ce serait bien. Et donc ce sera avec Big Star. Oui, nous irons à Rio, et puis nous verrons ce qui se passe après. Je pense que lorsqu'il sera à la retraite, je prendrai aussi la mienne, avec lui.